Combray de loin, à 10 lieues à la ronde, vue du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain, et, quand on approchait, tenant serré autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées qu'un reste de rempart du Moyen-Âge cernait ça et là d'un trait aussi parfaitement circulaire qu'une petite ville dans un tableau de primitif. À l'habiter, Combray était un peu triste. Comme ces rues dont les maisons construites en pierre noirâtre du pays, précédées de degrés extérieurs, coiffées de pignons qui rabattaient l'ombre devant elles, étaient assez obscures pour qu'il fallût, dès que le jour commençait à tomber, relever les rideaux dans les « salles » des rues aux graves noms de saints, desquelles plusieurs se rattachaient à l'histoire des premiers seigneurs de Combray. Rue Saint-Hilaire, rue Saint-Jacques, où était la maison de ma tante, rue Saint-Hildegarde, où donnait la grille, et rue du Saint-Esprit, sur laquelle s'ouvrait la petite porte latérale de son jardin. Et ces rues de Combray existent dans une partie de ma mémoire si reculée, peintes de couleurs si différentes de celles qui maintenant revêtent pour moi le monde, qu'en vérité, elles me paraissaient toutes, et l'église qui les dominait sur la place, plus irréelles encore que les projections de la lanterne magique. Et qu'à certains moments, il me semble que pouvoir encore traverser la rue Saint-Hilaire, pouvoir louer une chambre rue de l'Oiseau à la vieille hôtellerie de l'Oiseau Fléché, des soupiraux de laquelle montait une odeur de cuisine qui s'élève encore par moments en moi, aussi intermittente et aussi chaude, serait une entrée en contact avec l'au-delà plus merveilleusement surnaturelle que de faire la connaissance de Golo et de causer avec Geneviève de Brabant. La cousine de mon grand-père, ma grand-tante, chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n'avait plus voulu quitter d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit, et ne descendait plus, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion. Son appartement particulier donnait sur la rue Saint-Jacques, qui aboutissait beaucoup plus loin au Grand Pré, par opposition au Petit Pré, verdoyant au milieu de la ville, entre trois rues, et qui, unit, grisâtre, avec les trois hautes marches de grès, presque devant chaque porte, semblait comme un défilé pratiqué par un tailleur d'images gothiques à même la pierre, où il eût sculpté une crèche ou un calvaire. Ma tante n'habitait plus effectivement que deux chambres contiguës, restant l'après-midi dans l'une, pendant qu'on aérait l'autre. C'était de ces chambres de province qui, de même qu'en certains pays, des parties entières de l'air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas, nous enchantent des mille odeurs qui dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale, que l'atmosphère y tient en suspens. Odeurs naturelles encore, certes, et couleurs du temps comme celles de la campagne voisine, mais déjà casanière, humaine et renfermée, gelée, exquise, industrieuse et limpide de tous les fruits de l'année qui ont quitté le verger pour l'armoire, saisonnière, mais mobilière et domestique, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain chaud, oisive et ponctuelle comme une horloge de village, flâneuse et rangée, insoucieuse et prévoyante, lingère, matinale, dévote, heureuse d'une paix qui n'apporte qu'un surcroît d'anxiété et d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie à celui qui la traverse sans y avoir vécu. L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d'arriver à Combray, avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante. On me faisait attendre un instant dans la première pièce où le soleil, d'hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre les deux briques, et qui badigeonnait toute la chambre d'une odeur de suie, en faisait comme un de ces grands devants de four de campagne, ou de ces manteaux de cheminée de château, sous lesquels on souhaite que se déclare dehors la pluie, la neige, même quelques catastrophes diluviennes pour ajouter au confort de la réclusion la poésie de l'hivernage. Je faisais quelques pas du prie-Dieu au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appui-tête au crochet,
et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumeleux et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où, à peine goûté les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramage, je revenais toujours avec une convoitise inavouée, m'engluer dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs. Dans la chambre voisine, j'entendais ma tante qui causait toute seule à mi-voix. Elle ne parlait jamais qu'assez bas, parce qu'elle croyait avoir dans la tête quelque chose de cassé et de flottant, qu'elle eût déplacé en parlant trop fort. Mais elle ne restait jamais longtemps, même seule, sans dire quelque chose, parce qu'elle croyait que c'était salutaire pour sa gorge, et qu'en empêchant le sang de s'y arrêter, cela rendrait moins fréquents les étouffements et les angoisses dont elle souffrait. Puis, dans l'inertie absolue où elle vivait, elle prêtait à ses moindres sensations une importance extraordinaire. Elle les douait d'une motilité qui lui rendait difficile de les garder pour elle. Et à défaut de confident à qui les communiquer, elle se les annonçait à elle-même en un perpétuel monologue qui était sa seule forme d'activité. Malheureusement, ayant pris l'habitude de penser tout haut, elle ne faisait pas toujours attention à ce qu'il n'y eût personne dans la chambre voisine, et je l'entendais souvent se dire à elle-même « Il faut que je me rappelle bien que je n'ai pas dormi. » Car ne jamais dormir était sa grande prétention, dont notre langage à tous gardait le respect et la trace. Le matin, Françoise ne venait pas l'éveiller. Elle entrait chez elle. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer. Et quand il lui arrivait de s'oublier, en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillée » ou « j'ai rêvé que... » elle rougissait et se reprenait au plus vite. Au bout d'un moment, j'entrais l'embrasser. Françoise faisait infuser son thé, ou si ma tante se sentait agitée, elle demandait à la place sa tisane. Et c'était moi qui étais chargée de faire tomber du sac de pharmacie dans une assiette la quantité de tilleul qu'il fallait mettre ensuite dans l'eau bouillante. Le dessèchement des tiges les avait incurvées en un capricieux treillage dans les entrelacs duquel s'ouvraient les fleurs pâles, comme si un peintre les eût arrangées, les eût fait poser de la façon la plus ornementale. Les feuilles, ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l'air des choses les plus disparates, d'une aile transparente de mouche, de l'envers blanc d'une étiquette, d'un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées ou tressées comme dans la confection d'un nid. Mille petits détails inutiles, charmante prodigalité du pharmacien, qu'on eût supprimé dans une préparation factice, me donnait, comme un livre où on s'émerveille de rencontrer le nom d'une personne de connaissance, le plaisir de comprendre que c'était bien des tiges de vrais tilleuls, comme ceux que je voyais avenue de la gare, modifiés justement parce que c'était non des doubles, mais elles-mêmes, et qu'elles avaient vieilli. Et chaque caractère nouveau, n'y étant que la métamorphose d'un caractère ancien, dans de petites boules grises, je reconnaissais les boutons verts qui ne sont pas venus à terme, mais surtout l'éclat rose, lunaire et doux qui se faisait se détacher les fleurs dans la forêt fragile des tiges, où elles étaient suspendues comme de petites roses d'or, signe comme la lueur qui révèle encore sur une muraille la place d'une fresque effacée, de la différence entre les parties de l'arbre qui avaient été en couleur et celles qui ne l'avaient pas été. Me montrait que les pétales étaient bien ceux qui, avant de fleurir le sac de pharmacie, avaient embaumé les soirs de printemps. Cette flamme rose de cierge, c'était leur couleur encore, mais à demi éteinte et assoupie dans cette vie diminuée qu'était la leur maintenant, et qui est comme le crépuscule des fleurs. Bientôt, ma tante pouvait tremper dans l'infusion bouillante, dont elle savourait le goût de feuilles mortes ou de fleurs fanées, une petite madeleine dont elle me tendait un morceau quand il était suffisamment amolli. D'un côté de son lit était une grande commode jaune en bois de citronnier et une table qui tenait à la fois de l'officine et du maître-autel où, au-dessus d'une statuette de la Vierge et d'une bouteille de Vichy Célestin, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments,
tout ce qu'il fallait pour suivre de son lit les offices et son régime, pour ne manquer l'heure ni de la pepsine ni des vêpres. De l'autre côté, son lit longeait la fenêtre. Elle avait la rue sous les yeux et y lisait du matin au soir, pour se désennuyer, à la façon des princes persans, la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray, qu'elle commentait ensuite avec Françoise. Je n'étais pas avec ma tante depuis 5 minutes, qu'elle me renvoyait par peur que je la fatigue. Elle tendait à mes lèvres son triste front pâle et fade, sur lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux, et où les vertèbres transparaissaient comme les pointes d'une couronne d'épines ou les grains d'un rosaire, et elle me disait « Allons, mon pauvre enfant, va-t'en, va te préparer pour la messe, et si en bas tu rencontres Françoise, dis-lui de ne pas s'amuser trop longtemps avec vous, qu'elle monte bientôt voir si je n'ai besoin de rien. » Françoise, en effet, qui était depuis des années à son service et ne se doutait pas alors qu'elle entrerait un jour tout à fait au nôtre, délaissait un peu ma tante pendant les mois où nous étions là. Il y avait eu dans mon enfance, avant que nous allions à Combray, quand ma tante Léonie passait encore l'hiver à Paris chez sa mère, un temps où je connaissais si peu Françoise que le 1er janvier, avant d'entrer chez ma grand-tante, ma mère me mettait dans la main une pièce de 5 francs et me disait « Surtout, ne te trompe pas de personne. Attends pour donner que tu m'entendes dire « Bonjour, Françoise !» En même temps, je te toucherai légèrement le bras. » À peine arrivions-nous dans l'obscure antichambre de ma tante que nous apercevions dans l'ombre, sous les tuyaux d'un bonnet éblouissant, raide et fragile comme s'il avait été de sucre filé, les remous concentriques d'un sourire de reconnaissance anticipée. C'était Françoise, immobile et debout dans l'encadrement de la petite porte du corridor comme une statue de sainte dans sa niche. Quand on était un peu habitué à ces ténèbres de chapelle, on distinguait sur son visage l'amour désintéressé de l'humanité, le respect attendri pour les hautes classes qu'exaltaient les meilleures régions de son cœur, l'espoir des étrennes. Maman me pinçait le bras avec violence et disait d'une voix forte « Bonjour, Françoise !» À ce signal, mes doigts s'ouvraient et je lâchais la pièce qui trouvait pour la recevoir une main confuse mais tendue. Mais depuis que nous allions à Combray, je ne connaissais personne mieux que Françoise. Nous étions ses préférés. Elle avait pour nous, au moins pendant les premières années, avec autant de considération que pour ma tante, un goût plus vif, parce que nous ajoutions au prestige de faire partie de la famille. Elle avait pour les liens invisibles que nous, entre les membres d'une famille, la circulation d'un même sang, autant de respect qu'un tragique grec. Le charme de n'être pas ses maîtres habituels. Aussi, avec quelle joie elle nous recevait, nous plaignant de n'avoir pas encore plus beau temps, le jour de notre arrivée, la veille de Pâques, où souvent il faisait un vent glacial, quand maman lui demandait des nouvelles de sa fille et de ses neveux, si son petit-fils était gentil, ce qu'on comptait faire de lui, s'il ressemblerait à sa grand-mère. Et quand il n'y avait plus de monde, là, maman, qui savait que Françoise pleurait encore ses parents morts depuis des années, lui parlait d'eux avec douceur, lui demandait 1000 détails sur ce qu'avait été leur vie. Elle avait deviné que Françoise n'aimait pas son gendre et qu'il lui gâtait le plaisir qu'elle avait à être avec sa fille, avec qui elle ne causait pas aussi librement quand il était là. Aussi, quand Françoise allait les voir, à quelques lieues de Combray, maman lui disait en souriant « N'est-ce pas, Françoise, si Julien a été obligé de s'absenter et si vous avez Marguerite à vous toute seule pour toute la journée, vous serez désolée, mais vous vous ferez une raison. » Et Françoise disait en riant « Madame sait tout. Madame est pire que les rayons X. » Elle disait X avec une difficulté affectée et un sourire pour se railler elle-même, ignorante d'employer ce terme savant. Qu'on avait fait venir pour Madame Octave et qui voit ce que vous avez dans le cœur. Et disparaissait, confuse qu'on s'occupât d'elle, peut-être pour qu'on ne la vît pas pleurer. Maman était la première personne qui lui donna cette douce émotion de sentir que sa vie, ses bonheurs, ses chagrins de paysanne pouvaient présenter de l'intérêt, être un motif de joie ou de tristesse pour une autre qu'elle-même. Ma tante se résignait à se priver un peu d'elle pendant notre séjour, sachant combien ma mère appréciait le service de cette bonne si intelligente et active, qui était aussi belle dès 5 heures du matin dans sa cuisine,
sous son bonnet dont le tuyautage éclatant et fixe avait l'air d'être en biscuit, que pour aller à la grand-messe, qui faisait tout bien, travaillant comme un cheval, qu'elle fût bien portante ou non, mais sans bruit, sans avoir l'air de rien faire. La seule des bonnes de ma tante qui, quand maman demandait de l'eau chaude ou du café noir, les apportait vraiment bouillants. Elle était un de ces serviteurs qui, dans une maison, sont à la fois ceux qui déplaisent le plus au premier abord à un étranger, peut-être parce qu'ils ne prennent pas la peine de faire sa conquête et n'ont pas pour lui de prévenance, sachant très bien qu'ils n'ont aucun besoin de lui, qu'on cesserait de le recevoir plutôt que de les renvoyer, et qui sont en revanche ceux à qui tiennent le plus les maîtres qui ont éprouvé leur capacité réelle et ne se soucient pas de cet agrément superficiel, de ce bavardage servile qui fait favorablement impression à un visiteur, mais qui recouvre souvent une inéducable nullité. Quand Françoise, après avoir veillé à ce que mes parents eussent tout ce qu'il leur fallait, remontait une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu'elle prendrait pour déjeuner, il était bien rare qu'il ne fallût pas donner déjà son avis ou fournir des explications sur quelque événement d'importance. Françoise, imaginez-vous que Madame Goupil ait passé plus d'un quart d'heure en retard pour aller chercher sa sœur. Pour peu qu'elle s'attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu'elle arrive après l'élévation. Et il n'y aurait rien d'étonnant, répondait Françoise. Françoise, vous seriez venue 5 minutes plus tôt, vous auriez vu passer Madame Imbert qui tenait des asperges 2 fois grosses comme celles de la mère Callot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui, cette année, nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles viennent de chez Monsieur le curé, disait Françoise. Ah, je vous crois bien, ma pauvre, répondait ma tante en haussant les épaules. Chez Monsieur le curé. Vous savez bien qu'il ne fait pousser que de petites méchantes asperges de rien. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras. Pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette année. Françoise, vous n'avez pas entendu ce carillon qui m'a cassé la tête ? Non, Madame Octave. Ah, ma pauvre fille, il faut que vous l'ayez solide, votre tête. Vous pouvez remercier le bon Dieu. C'était la Maglone qui était venue chercher le docteur Pipereau. Il est ressorti tout de suite avec elle et ils ont tourné par la rue de l'Oiseau. Il faut qu'il y ait quelque enfant malade. Oh, et là, mon Dieu, soupirait Françoise, qui ne pouvait pas entendre parler d'un malheur arrivé à un inconnu, même dans une partie du monde éloignée, sans commencer à gémir. Françoise, mais pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts ? Oh, mon Dieu, ce sera pour Madame Rousseau. Voilà-t-il pas que j'avais oublié qu'elle a passé l'autre nuit ? Oh, il est temps que le bon Dieu me rappelle. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ma tête, depuis la mort de mon pauvre Octave. Mais je vous fais perdre votre temps, ma fille. Mais non, Madame Octave, mon temps n'est pas si cher. Celui qui l'a fait ne nous l'a pas vendu. Je vais seulement voir si mon feu ne s'éteint pas. » Ainsi, Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble, au cours de cette séance matinale, les premiers événements du jour. Mais quelquefois, ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu'elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise montrait, et 4 coups de sonnette formidables retentissaient dans la maison. « Mais, Madame Octave, ce n'est pas encore l'heure de la pepsine !» disait Françoise. « Est-ce que vous vous êtes sentie une faiblesse ?»« Mais non, Françoise, disait ma tante. C'est-à-dire, si, vous savez bien que maintenant les moments où je n'ai pas de faiblesse sont bien rares. » Un jour, je passerai comme Madame Rousseau, sans avoir eu le temps de me reconnaître. Mais ce n'est pas pour cela que je sonne. Croyez-vous pas que je viens de voir, comme je vous vois, Madame Goupil avec une fillette que je ne connais point ? Allez donc chercher 2 sous de sel chez Camus. C'est bien rare si Théodore ne peut pas vous dire qui c'est. Mais ce sera la fille de Monsieur Pupin, disait Françoise, qui préférait s'en tenir à une explication immédiate, ayant été déjà 2 fois depuis le matin chez Camus. « La fille de Monsieur Pupin ? Oh, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, avec cela que je ne l'aurais pas reconnue. Mais je ne veux pas dire la grande, Madame Octave. Je veux dire la gamine, celle qui est en pension, à Jouy. Il me ressemble de l'avoir déjà vue ce matin. »« Ah, à moins de ça, disait ma tante. Il faudrait qu'elle soit venue pour les fêtes. »« Oh, c'est cela. Il n'y a pas besoin de chercher. Elle sera venue pour les fêtes. »
Mais alors nous pourrions bien voir tout à l'heure Madame Sazra venir sonner chez sa sœur pour le déjeuner. Ah, ça sera ça. J'ai vu le petit de chez Galopin qui passait avec une tarte. Vous verrez que la tarte allait chez Madame Goupil. Dès l'instant que Madame Goupil a de la visite, Madame Octave, vous n'allez pas tarder à voir tout son monde rentrer pour le déjeuner, car il commence à ne plus être de bonne heure, disait Françoise, qui, pressée de redescendre s'occuper du déjeuner, n'était pas fâchée de laisser à ma tante cette distraction en perspective. Oh, pas avant midi, répondait ma tante d'un ton résigné, tout en jetant sur la pendule un coup d'œil inquiet mais furtif, pour ne pas laisser voir qu'elle, qui avait renoncé à tout, trouvait pourtant à apprendre que Madame Goupil avait à déjeuner. Un plaisir aussi vif et qui se ferait malheureusement attendre encore un peu plus d'une heure. « Et encore, cela tombera pendant mon déjeuner, » ajouta-t-elle à mi-voix, pour elle-même. Son déjeuner lui était une distraction suffisante pour qu'elle n'en souhaitât pas une autre en même temps. « Vous n'oublierez pas au moins de me donner mes œufs à la crème dans une assiette plate ?» C'étaient les seuls qui fussent ornés de sujets. Et ma tante s'amusait à chaque repas à lire la légende de celle qu'on lui servait ce jour-là. Elle mettait ses lunettes, déchiffrait « Ali Baba et 40 voleurs, Aladdin ou la lampe merveilleuse » et disait en souriant « Très bien, très bien. » « Je serais bien allée chez Camus, » disait Françoise en voyant que ma tante ne l'y enverrait plus. « Mais non, ce n'est plus la peine, c'est sûrement Mademoiselle Pupin. Ma pauvre Françoise, je regrette de vous avoir fait monter pour rien. » Mais ma tante savait bien que ce n'était pas pour rien qu'elle avait sonné Françoise. Car à Combray, une personne qu'on ne connaissait point était un être aussi peu croyable qu'un dieu de la mythologie. Et de fait, on ne se souvenait pas que chaque fois que s'était produite dans la rue du Saint-Esprit ou sur la place une de ces apparitions stupéfiantes, des recherches bien conduites n'eussent pas fini par réduire le personnage fabuleux aux proportions d'une personne qu'on connaissait, soit personnellement, soit abstraitement, dans son état civil, en tant qu'ayant tel degré de parenté avec des gens de Combray. C'était le fils de Madame Sauton qui rentrait du service, la nièce de l'abbé Perdreau qui sortait du couvent, le frère du curé percepteur à Châteaudun qui venait prendre sa retraite ou qui était venu passer les fêtes. On avait eu, en les apercevant, l'émotion de croire qu'il y avait à Combray des gens qu'on ne connaissait point, simplement parce qu'on ne les avait pas reconnus ou identifiés tout de suite. Et pourtant, longtemps à l'avance, Madame Sauton et le curé avaient prévenu qu'ils attendaient leurs voyageurs. Quand le soir je montais, en rentrant, raconter notre promenade à ma tante, si j'avais l'imprudence de lui dire que nous avions rencontré près du pont vieux un homme que mon grand-père ne connaissait pas, « Un homme que grand-père ne connaissait point » s'écriait-elle. « Oh, je te crois bien !» Néanmoins, un peu émue de cette nouvelle, elle voulait en avoir le cœur net. Mon grand-père était mandé. « Qui donc est-ce que vous avez rencontré près du pont vieux, mon oncle ? Un homme que vous ne connaissiez point ?»« Mais si, » répondait mon grand-père, « c'était Prosper, le frère du jardinier de Madame Bouilleboeuf. »« Ah, bien, » disait ma tante, tranquillisée et un peu rouge, haussant les épaules avec un sourire ironique. Elle ajoutait « Aussi, il me disait que vous aviez rencontré un homme que vous ne connaissiez point. » Et on me recommandait d'être plus circonspect une autre fois et de ne plus agiter ainsi ma tante par des paroles irréfléchies. On connaissait tellement bien tout le monde à Combray, bêtes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien qu'elle ne connaissait point, elle ne cessait d'y penser et de consacrer à ce fait incompréhensible ses talents d'induction et ses heures de liberté. Ce sera le chien de Madame Sazra, disait Françoise sans grande conviction, mais dans un but d'apaisement et pour que ma tante ne se fende pas la tête. Comme si je ne connaissais pas le chien de Madame Sazra, répondait ma tante, dont l'esprit critique n'admettait pas si facilement un fait. Ah, ce sera le nouveau chien que Monsieur Galopin a rapporté de Lisieux. Ah, à moins de ça. Il paraît que c'est une bête bien affable, ajoutait Françoise, qui tenait le renseignement de Théodore. Spirituel comme une personne toujours de bonne humeur, toujours aimable, toujours quelque chose de gracieux. C'est rare qu'une bête qui n'a que cet âge-là soit déjà si galante. Madame Octave, il va falloir que je vous quitte. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Voilà bientôt 10 heures. Mon fourneau n'est seulement pas éclairé et j'ai encore à plumer mes asperges. Comment, Françoise ?
Encore des asperges? Mais c'est une vraie maladie d'asperges que vous avez cette année. Vous allez en fatiguer nos Parisiens. Mais non, madame Octave, ils aiment bien ça. Ils rentreront de l'église avec de l'appétit et vous verrez qu'ils ne les mangeront pas avec le dos de la cuillère. Mais à l'église, ils doivent y être déjà. Vous ferez bien de ne pas perdre de temps. Allez surveiller votre déjeuner. Pendant que ma tante devisait ainsi avec Françoise, j'accompagnais mes parents à la messe. Que je l'aimais, que je la revois bien, notre église, son vieux porche par lequel nous entrions, noir, grêlé comme une écumoire, était dévié et profondément creusé aux angles, de même que le bénitier où il nous conduisait, comme si le doux effleurement des mantes, des paysannes entrant à l'église et de leurs doigts timides prenant de l'eau bénite, pouvait, répété pendant des siècles, acquérir une force destructive, infléchir la pierre et l'entailler de sillons comme on trace la roue des carrioles dans la borne contre laquelle elle bute tous les jours. Ces pierres tombales, sous lesquelles la noble poussière des abbés de Combray, enterrée là, faisait au cœur comme un pavage spirituel, n'étaient plus elles-mêmes de la matière inerte et dure, car le temps les avait rendues douces et fait couler comme du miel des limites de leur propre écarissure qu'ici elles avaient dépassé d'un flot blond, entraînant à la dérive une majuscule gothique en fleurs, noyant les violettes blanches du marbre, et en deçà desquelles, ailleurs, elles s'étaient résorbées, contractant encore l'elliptique inscription latine, introduisant un caprice de plus dans la disposition de ces caractères abrégés, rapprochant deux lettres d'un mot dont les autres avaient été démesurément distendus. Ces vitraux ne chatoyaient jamais tant que les jours où le soleil se montrait peu. De sorte que, fit-il gris dehors, on était sûr qu'il ferait beau dans l'église. L'un était rempli, dans toute sa grandeur, par un seul personnage pareil à un roi de jeu de cartes, qui vivait là-haut, sous un dais architectural, entre ciel et terre, et dans le reflet oblique et bleu, duquel parfois les jours de semaine à midi, quand il n'y avait pas d'office, à l'un de ces rares moments où l'église aérée, vacante, plus humaine, luxueuse, avec du soleil sur son riche mobilier, avait l'air presque habitable comme le hall de pierre sculptée et de verre peint d'un hôtel du style du Moyen-Âge. On voyait s'agenouiller un instant Madame Sazera, posant sur le prie-dieu voisin un paquet tout ficelé de petits fours qu'elle venait de prendre chez le pâtissier d'en face et qu'elle allait rapporter pour le déjeuner. Dans un autre, une montagne de neige rose, au pied de laquelle se livrait un combat, semblait avoir givré à même la verrière qu'elle boursouflait de son trouble grésil, comme une vitre à laquelle il serait resté des flocons éclairés par quelque aurore, par la même sans doute qui empourprait le retable de l'hôtel, de ton si frais qu'il semblait plutôt posé là momentanément par une lueur du dehors, prête à s'évanouir que par des couleurs attachées à jamais à la pierre. Et tous étaient si anciens qu'on voyait ça et là leur vieillesse argentée étincelée de la poussière des siècles et montrée brillante et usée jusqu'à la corde la trame de leur douce tapisserie de verre. Il y en avait un qui était un haut compartiment divisé en une centaine de petits vitraux rectangulaires où dominait le bleu, comme un grand jeu de cartes pareil à ceux qui devaient distraire le roi Charles VI. Mais soit qu'un rayon eût brillé, soit que mon regard en bougeant eût promené à travers la verrière tour à tour éteinte et rallumée un mouvant et précieux incendie, l'instant d'après, elles avaient pris l'éclat changeante d'une traîne de pan. Puis elles tremblaient et ondulaient en une pluie flamboyante et fantastique qui dégouttait du haut de la voûte sombre et rocheuse le long des parois humides, comme si c'était dans la nef de quelque grotte irisée de sinueux stalactites que je suivais mes parents, qui portaient leurs paroissiens. Un instant, après les petits vitraux en losange, avaient pris la transparence profonde, l'infrangible dureté de saphir qui eussent été juxtaposés sur quelque immense pectoral, mais derrière lesquels on sentait, plus aimé que toutes ces richesses, un sourire momentané du soleil. Il était aussi reconnaissable dans le flot bleu et doux dont il baignait les pierreries que sur le pavé de la place ou la paille du marché. Et même à nos premiers dimanches, quand nous étions arrivés avant Pâques, il me consolait que la terre fût encore nue et noire, en faisant épanouir comme en un printemps historique et qui datait des successeurs de Saint-Louis, ce tapis éblouissant et doré de myosotis en vert.
Deux tapisseries de haute lisse représentaient le couronnement d'Esther. La tradition voulait qu'on eût donné à Assuérus les traits d'un roi de France et à Esther ceux d'une dame de Guermantes dont il était amoureux, auquel leur couleur, en fondant, avait ajouté une expression, un relief, un éclairage. Un peu de rose flottait aux lèvres d'Esther au-delà du dessin de leur contour. Le jaune de sa robe s'étalait si onctueusement, si grassement, qu'elle en prenait une sorte de consistance et s'enlevait vivement sur l'atmosphère refoulée. Et la verdure des arbres restait vive dans les parties basses du panneau de soie et de laine, mais ayant passé dans le haut, faisait se détacher en plus pâle, au-dessus des troncs foncés, les hautes branches jaunissantes, dorées et comme à demi effacées par la brusque et oblique illumination d'un soleil invisible. Tout cela, et plus encore les objets précieux, venus à l'église de personnages qui étaient pour moi presque des personnages de légende, la croix d'or travaillée, disait-on, par Saint-Éloi et donnée par Dagobert, le tombeau des fils de Louis le Germanique en porphyre et en cuivre émaillé, à cause de quoi je m'avançais dans l'église quand nous gagnions nos chaises, comme dans une vallée visitée des fées, où le paysan s'émerveille de voir dans un rocher, dans un arbre, dans une mare, la trace palpable de leur passage surnaturel. Tout cela faisait d'elle, pour moi, quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. Un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions, la quatrième étant celle du temps, déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux, dérobant les rues des farouches XIe siècle dans l'épaisseur de ses murs, d'où il n'apparaissait, avec ses lourds cintres bouchés et aveuglés, de grossiers moellons que par la profonde entaille que creusait près du porche l'escalier du clocher. Et, même là, dissimulé par les gracieuses arcades gothiques qui se pressaient coquettement devant lui comme de plus grandes sœurs pour le cacher aux étrangers, se placent en souriant devant un jeune frère rustre, grognon et mal vêtu, élevant dans le ciel au-dessus de la place sa tour qui avait contemplé Saint-Louis et semblait le voir encore, et s'enfonçant avec sa crypte dans une nuit mérovingienne où, nous guidant à tâtons sous la voûte obscure et puissamment nervurée comme la membrane d'une immense chauve-souris de pierre, Théodore et sa sœur nous éclairaient d'une bougie le tombeau de la petite fille de Sigebert, sur lequel une profonde valve, comme la trace d'un fossile, avait été creusée, disait-on, par une lampe de cristal qui, le soir du meurtre de la princesse Franque, s'était détachée d'elle-même des chaînes d'or où elle était suspendue, à la place de l'actuelle abside, et, sans que le cristal se brisât, sans que la flamme s'éteignît, s'était enfoncée dans la pierre et l'avait fait mollement céder sous elle. L'abside de l'église de Combray, peut-on vraiment en parler? Elle était si grossière, si dénuée de beauté artistique et même d'élan religieux. Du dehors, comme le croisement des rues sur lequel elle donnait était en contrebas, sa grossière muraille s'exhaussait d'un soubassement en moellons nullement polis, hérissé de cailloux, et qui n'avait rien de particulièrement ecclésiastique. Les verrières semblaient percées à une hauteur excessive, et le tout avait plus l'air d'un mur de prison que d'église. Et certes, plus tard, quand je me rappelais toutes les glorieuses absides que j'ai vues, il ne me serait jamais venu à la pensée de rapprocher d'elle l'abside de Combray. Seulement, un jour, au détour d'une petite rue provinciale, j'aperçus, en face du croisement de trois ruelles, une muraille fruste et surélevée, avec des verrières percées en haut et offrant le même aspect asymétrique que l'abside de Combray. Alors je ne me suis pas demandé, comme à Chartres ou à Reims, avec quelle puissance y était exprimé le sentiment religieux, mais je me suis involontairement écrié « L'église !» L'église, familière, mitoyenne, rue Saint-Hilaire, où était sa porte nord, de ses deux voisines, la pharmacie de M. Rapin et la maison de Mme Loiseau, qu'elle touchait sans aucune séparation. Simple citoyenne de Combray, qui aurait pu avoir son numéro dans la rue, si les rues de Combray avaient eu des numéros, et où il semble que le facteur aurait dû s'arrêter le matin quand il faisait sa distribution,
avant d'entrer chez Madame Loiseau et en sortant de chez Monsieur Rapin. Il y avait pourtant, entre elle et tout ce qui n'était pas elle, une démarcation que mon esprit n'a jamais pu arriver à franchir. Madame Loiseau avait beau avoir à sa fenêtre des fuchsias qui prenaient la mauvaise habitude de laisser leurs branches courir toujours partout tête baissée, et dont les fleurs n'avaient rien de plus pressé, quand elles étaient assez grandes, que d'aller rafraîchir leurs joues violettes et congestionnées contre la sombre façade de l'église, les fuchsias ne devenaient pas sacrés pour cela pour moi. Entre les fleurs et la pierre noircie sur laquelle elles s'appuyaient, si mes yeux ne percevaient pas d'intervalle, mon esprit réservait un abîme. On reconnaissait le clocher de Saint-Hilaire de bien loin, inscrivant sa figure inoubliable à l'horizon où Combray n'apparaissait pas encore. Quand du train qui, la semaine de Pâques, nous amenait de Paris, mon père l'apercevait qui filait tour à tour sur tous les sillons du ciel, faisant courir en tous sens son petit coq de fer, il nous disait « Allons, prenez les couvertures, on est arrivés. » Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de Combray, il y avait un endroit où la route resserrée débouchait tout à coup sur un immense plateau fermé à l'horizon par des forêts déchiquetées que dépassait seule la fine pointe du clocher de Saint-Hilaire. Mais si mince, si rose, qu'elle semblait seulement rayée sur le ciel par un ongle qui aurait voulu donner à ce paysage, à ce tableau rien que de nature, cette petite marque d'art, cette unique indication humaine. Quand on se rapprochait et qu'on pouvait apercevoir le reste de la tour carrée et à demi détruite qui, moins haute, subsistait à côté de lui, on était frappé surtout du ton rougeâtre et sombre des pierres. Et, par un matin brumeux d'automne, on aurait dit, s'élevant au-dessus du violet orageux des vignobles, une ruine de pourpre presque de la couleur de la vigne vierge. Souvent sur la place, quand nous rentrions, ma grand-mère me faisait arrêter pour le regarder. Des fenêtres de sa tour, placées deux par deux les unes au-dessus des autres, avec cette juste et originale proportion dans les distances qui ne donne pas de la beauté et de la dignité qu'au visage humain, il laissait tomber à intervalles réguliers des volées de corbeaux qui, pendant un moment, tournoyaient en criant, comme si les vieilles pierres qui les laissaient s'ébattre sans paraître les voir, devenues tout d'un coup inhabitables et dégageant un principe d'agitation infinie, les avaient frappées et repoussées. Puis, après avoir rayé en tous sens le velours violet de l'air du soir, brusquement calmé, il revenait s'absorber dans la tour, de néfaste redevenu propice. Quelques-uns posés çà et là, ne semblant pas bouger, mais happant peut-être quelque insecte sur la pointe d'un clocheton, comme une mouette arrêtée avec l'immobilité d'un pêcheur à la crête d'une vague. Sans trop savoir pourquoi, ma grand-mère trouvait au clocher de Saint-Hilaire cette absence de vulgarité, de prétention, de mesquinerie qui lui faisait aimer et croire riche d'une influence bienfaisante la nature quand la main de l'homme ne l'avait pas, comme faisait le jardinier de ma grand-tante, rapetissé, et les œuvres de génie. Et sans doute, toute partie de l'église qu'on apercevait la distinguait de tout, et sans doute, toute partie de l'église qu'on apercevait la distinguait de tout autre édifice par une sorte de pensée qui lui était infuse. Mais c'était dans son clocher qu'elle semblait prendre conscience d'elle-même, affirmer une existence individuelle et responsable. C'était lui qui parlait pour elle. Je crois surtout que, confusément, ma grand-mère trouvait au clocher de Combray ce qui pour elle avait le plus de prix au monde, l'air naturel et l'air distingué. Ignorante en architecture, elle disait « Mes enfants, moquez-vous de moi si vous voulez. Il n'est peut-être pas beau dans les règles, mais sa vieille figure bizarre me plaît. Je suis sûre que s'il jouait du piano, il ne jouerait pas sec. » Et en la regardant, en suivant des yeux la douce tension, l'inclinaison fervente de ces pentes de pierre qui se rapprochaient en s'élevant comme des mains jointes qui prient, elle s'unissait si bien à l'effusion de la flèche que son regard semblait s'élancer avec elle, et en même temps elle souriait amicalement aux vieilles pierres usées dont le couchant n'éclairait plus que le faîte et qui, à partir du moment où elles entraient dans cette zone ensoleillée, adoucie par la lumière, paraissaient tout d'un coup monter bien plus haut,
lointaine, comme un chant repris en voix de tête, une octave au-dessus. C'était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consécration. De ma chambre, je ne pouvais apercevoir que sa base qui avait été recouverte d'ardoises. Mais quand le dimanche, je les voyais par une chaude matinée d'été flamboyer comme un soleil noir, je me disais « Mon Dieu, 9 heures, il faut se préparer pour aller à la grand-messe si je veux avoir le temps d'aller embrasser tante Léonie avant. » Et je savais exactement la couleur qu'avait le soleil sur la place, la chaleur et la poussière du marché, l'ombre que faisait le store du magasin où maman entrerait peut-être avant la messe, dans une odeur de toile écrue, fer emplette de quelques mouchoirs que lui ferait montrer en cambrant la taille le patron qui, tout en se préparant à fermer, venait d'aller dans l'arrière-boutique passer sa veste du dimanche et se savonner les mains qu'il avait l'habitude. Toutes les 5 minutes, même dans les circonstances les plus mélancoliques, de frotter l'une contre l'autre d'un air d'entreprise, de partie fine et de réussite. Quand après la messe, on entrait dire à Théodore d'apporter une brioche plus grosse que d'habitude parce que nos cousins avaient profité du beau temps pour venir à Tibersy déjeuner avec nous, on avait devant soi le clocher qui, doré et bien cuit lui-même, comme une plus grande brioche bénie, avec des écailles et des égouttements gommeux de soleil, piquait sa pointe aiguë dans le ciel bleu. Et le soir, quand je rentrais de promenade et pensais au moment où il faudrait tout à l'heure dire bonsoir à ma mère et ne plus la voir, il était au contraire si doux, dans la journée finissante, qu'il avait l'air d'être posé et enfoncé comme un coussin de velours brun sur le ciel pâli qui avait cédé sous sa pression, s'était creusé légèrement pour lui faire sa place et refluait sur ses bords. Et les cris des oiseaux, qui tournaient autour de lui, semblaient accroître son silence, élancer encore sa flèche et lui donner quelque chose d'ineffable. Même dans les courses qu'on avait à faire derrière l'église, là où on ne la voyait pas, tout semblait ordonné par rapport au clocher surgi ici ou là, entre les maisons, peut-être plus émouvant encore quand il apparaissait ainsi sans l'église. Et certes, il y en a bien d'autres qui sont plus beaux vus de cette façon, et j'ai dans mon souvenir des vignettes de clochers dépassant les toits qui ont un autre caractère d'art que celles que composaient les tristes rues de Combray. Je n'oublierai jamais, dans une curieuse ville de Normandie voisine de Balbec, deux charmants hôtels du XVIIIe siècle qui me sont à beaucoup d'égards chers et vénérables et entre lesquels, quand on la regarde du beau jardin qui descend des perrons vers la rivière, la flèche gothique d'une église qu'ils cachent s'élance, ayant l'air de terminer, de surmonter leur façade, mais d'une matière si différente, si précieuse, si annelée, si rose, si vernie, qu'on voit bien qu'elle n'en fait pas plus partie que 2 beaux galets unis, entre lesquels elle est prise sur la plage, la flèche purpurine et crénelée de quelques coquillages. Même à Paris, dans un des quartiers les plus laids de la ville, je sais une fenêtre où on voit, après un premier, un second et même un troisième plan fait de toit amoncelé de plusieurs rues, une cloche violette, parfois rougeâtre. Parfois aussi, dans les plus nobles épreuves, quand tire l'atmosphère, d'un noir décanté de cendres, laquelle n'est autre que le dôme Saint-Augustin, et qui donne à cette vue de Paris le caractère de certaines vues de Rome par Piranesi. Mais, comme dans aucune de ces petites gravures, avec quelque goût que ma mémoire ait pu les exécuter, elle ne put mettre ce que j'avais perdu depuis longtemps. Le sentiment qui nous fait non pas considérer une chose comme un spectacle, mais y croire comme en un être sans équivalent, aucune d'elles ne tient sous sa dépendance toute une partie profonde de ma vie, comme fait le souvenir de ces aspects du clocher de Combray dans les rues qui sont derrière l'église. Qu'on le vit à 5 heures, quand on allait chercher les lettres à la poste, à quelques maisons de soi, à gauche, surélevant brusquement d'une cime isolée la ligne de fête des toits, que si au contraire
On voulait entrer demander des nouvelles de Madame Sazra. On suivit des yeux cette ligne redevenue basse après la descente de son autre versant, en sachant qu'il faudrait tourner à la deuxième rue après le clocher. Soit encore, poussant plus loin, si on allait à la gare, on le vit obliquement, montrant de profil des arêtes et des surfaces nouvelles comme un solide surpris à un moment inconnu de sa révolution, ou que, des bords de la Vivonne, l'abside musculeusement ramassée et remontée par la perspective sembla jaillir de l'effort que le clocher faisait pour lancer sa flèche au cœur du ciel. C'était toujours à lui qu'il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d'un pinacle inattendu, levé devant moi comme le doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains sans que je le confondisse pour cela avec elle. Et aujourd'hui encore, si dans une grande ville de province ou dans un quartier de Paris que je connais mal, un passant qui m'a mis dans mon chemin me montre au loin comme un point de repère, tel beffroi d'hôpital, tel clocher de couvent levant la pointe de son bonnet ecclésiastique au coin d'une rue que je dois prendre, pour peu que ma mémoire puisse obscurément lui trouver quelques traits de ressemblance avec la figure chère et disparue, le passant, s'il se retourne pour s'assurer que je ne m'égare pas, peut, à son étonnement, m'apercevoir qui, oublieux de la promenade entreprise ou de la course obligée, reste là, devant le clocher, pendant des heures, immobile, essayant de me souvenir, sentant au fond de moi des terres reconquises sur l'oubli qui s'assèchent et se rebâtissent, et sans doute alors, et plus anxieusement que tout à l'heure quand je lui demandais de me renseigner, je cherche encore mon chemin. Je tourne une rue, mais c'est dans mon cœur.